Nous allons mettre un petit peu de colorant à l'entrée du système pour mettre en évidence la circulation. On met en route l'alimentation. J'envoie 60 volts. Il y a 520 milliampères qui traversent les plaques. C'est parti. On peut y voir un effet d'aspiration. Et voilà l'encre qui ressort à la sortie. Nous revoici pour notre expérimentation de MHD avec ce coup-ci une eau saturée de sel. Voyons voir ce qui se passe. Ah oui, ça a l'air d'être nettement plus efficace. Le courant qui passe dans les plaques est de 2,5 A contre 500 mA lorsque l'eau n'était pas saturée de sel. Et maintenant, revoici l'expérience avec toute la puissance du poste à souder à courant continu, à la fois sur l'électro-aimant et sur les plaques d'électrolyse. Donc l'électro-aimant et les plaques d'électrolyse sont branchées en parallèle.